journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une thématique qui reste malheureusement tristement d'actualité. 118 femmes tuées, 267 tentatives de meurtre comptabilisées en 2022 en France. Ce sont des chiffres tout récents. Une Française de 18 à 74 ans sur 6 déclare par ailleurs avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint depuis l'âge de 15 ans en France. Ça fait 3,6 millions de femmes. Ce sont des chiffres qui posent le débat, évidemment, d'où la nécessité d'en parler. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec Mireille Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste référente départementale sur les violences au sein du couple, au sein du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Allier, le CIDFF. Pour commencer, Mireille Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à nos auditeurs, au grand public, le rôle finalement du CIDFF ? Oui, avec grand plaisir. Alors effectivement, le CIDFF est une association départementale, mais qui dépend d'un réseau national, et nous sommes agréés par l'État pour finalement appliquer les politiques publiques en matière de droits des femmes sur les territoires de notre pays. Donc on colle finalement aux réalités de nos territoires pour travailler alors la question du droit des femmes, mais plus généralement. Généralement, le fer de lance, c'est de travailler les questions réelles, j'insiste bien sur le mot réel, entre les femmes et les hommes, parce que on se rend compte que dans notre corpus juridique, l'égalité, elle est là, elle est prônée de multiples textes, mais que dans la réalité du quotidien, elle n'est pas là, et que une des conséquences de cette non-égalité, c'est ce que vous avez évoqué, ces tristes chiffres, et on pourrait en évoquer tellement d'autres concernant les violences qui sont faites aux femmes, puisque effectivement, on se rend bien compte que la violence est quand même encore quelque chose de particulièrement genré, malheureusement. Ouais, bien sûr. Alors, vous l'avez précisé, mais c'est vrai que le CIDFF intervient sur les aspects juridiques, sur les aspects également emploi, insertion, prévention, vie sociale et familiale. Mais cette lutte contre les violences, elle fait évidemment partie de votre cœur de métier. Vous l'avez dit, l'Allier ne fait pas exception. Malheureusement, on a des exemples réguliers sur cette antenne avec des audiences de tribunal qui sont remplies d'affaires de violences conjugales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment quand même que malgré les prises de conscience, malgré toutes les politiques qui sont menées pour lutter contre ces violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup de travail. Alors oui, il y a énormément de travail concernant les violences faites aux femmes, parce que ce qui se passe depuis une quinzaine d'années sur les violences au sein du couple, c'est-à-dire la verbalisation, la prise en considération de la société que c'est une problématique et qu'il faut s'y intéresser, voilà, ça s'est fait. Mais là, on voit bien qu'on commence de monter en gamme dans les violences qui s'exercent dans le milieu du sport, les violences qui s'exercent au sein de l'entreprise. Voilà, donc il y a quand même tout un pan de cette thématique de la violence en général exercée à l'égard des femmes, quel que soit le lieu en fin de compte, et c'est ça qui est terrible, parce que finalement une dame peut être victime de violence chez elle, au sein de son couple, mais également dans son entreprise, mais également dans la sphère publique, et c'est un continuum de violence. Quand on pense violence, on pense évidemment en premier lieu aux violences physiques, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a des violences plus sournoise encore. Bien sûr, il y a tout ce qui s'apparente effectivement à ce que la loi appelle les violences psychologiques. Et les violences psychologiques, alors elles sont nombreuses, multiples, il faut pouvoir les décrypter. C'est tout ce qui est du dénigrement, du rabaissement. Des fois, il y a des choses totalement invisibles. Je ne t'adresse pas la parole, je détourne le regard. L'indifférence, c'est une forme de violence. Tout ce qui s'exerce à la base du contrôle, contrôler vos sorties, contrôler votre habillement, contrôler votre alimentation, tout ce qui est du ressort de la remarque, entre guillemets, qui paraît anodine, mais qui est super sexiste et super violente. Donc oui, si on n'y fait pas attention, effectivement, je dirais même que le champ des violences autres que la violence physique est beaucoup plus étendu. Voilà. Donc c'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas prendre la violence que par le prisme de la violence physique et donc des coups et ce qui porte atteinte à l'intégrité physique. La clé, c'est évidemment la détection de ces problématiques. Sur ce point, est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que vous le voyez, qui êtes concrètement dans cette mission-là tout au long de l'année?
Alors, moi, ce que j'observe, ce que nous observons au CIDFF, c'est que la parole, quand même, on a beaucoup parlé de libéralisation de la parole, et je pense effectivement que les femmes parlent, en tous les cas, essaient de parler. Après, la grosse difficulté, c'est de trouver les endroits où la parole va effectivement être écoutée, entendue, et puis accompagnée. Voilà. Mais déjà, le premier prisme de pouvoir en parler, et d'oser en parler, parce que le problème de la violence, c'est que la victime pense toujours, et c'est un mécanisme bien connu, qu'elle est responsable de la violence qu'elle subit. Donc quand on se pense responsable, voire coupable, on ne parle pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu du mieux en disant la violence est infractionnelle, c'est inadmissible, vous pouvez l'exprimer. Et puis toutes ces affaires médiatiques ont effectivement fait que les femmes osent parler. Voilà, donc ça effectivement, oui, on le constate. Après, je sais que nous faisons des formations, des sensibilisations pour, quand les femmes ne parlent pas, détecter des signes. Et détecter des signes, il y a des fois simplement un œil au beurre noir ou un bras en écharpe, il faut demander comment vas-tu, qu'est-ce qui s'est passé. Après, la dame nous répond ce qu'elle veut nous répondre, mais au moins elle reçoit l'information qu'on s'est intéressé à elle. Faire très attention à tout. Enfin, il y a des éléments effectivement qui peuvent être pris en considération, et puis si on les ajoute les uns aux autres, ben là, il faut effectivement être un petit peu plus proactif et se dire que derrière, il y a sans doute une situation de violence dont il faut parler. Ouais, vous parliez de lieux où accueillir justement ces femmes qui ont envie de libérer leur parole finalement. À Montluçon, il y a eu du changement, hein, avec un nouveau local pour le CIDFF qui a quitté la rue des Serruriers pour la rue Sainte-Anne dans le centre-ville, oui. Donc dans la cité médiévale. Oui. Oui. Nouveau local, mais aussi désormais des permanences assurées par une professionnelle. Auparavant, c'était des bénévoles de temps en temps. Oh. Alors oui, effectivement, le CIDF s'est doté d'un accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple, dont la prise en charge est assurée par une professionnelle, Bérangère Salinia, et où le principe est effectivement 6 rue Sainte-Anne à Montluçon, le jeudi, toute la journée, toute personne qui a une problématique de violence ou qui a envie de parler de quelque chose qui tourne pas rond, parce que souvent on n'identifie pas forcément la violence, mais il y a un truc qui va pas. Eh bien, on pousse la porte et effectivement, une professionnelle assure ce premier accueil où finalement, on va verbaliser, se poser, commencer à raconter son histoire. Et puis, au vu de ce qui est effectivement évoqué, eh bien, cette personne sera réorientée vers d'autres professionnels du CIDFF. Alors, ça peut être effectivement vers moi sur le côté juridique et le côté prise en charge aux violences, mais ça peut également l'être sur notre conseillère en insertion professionnelle. Et il y a être pouillé, parce que des fois il y a des dames qui viennent se disant incapables de parce que je travaille pas, et ben on peut travailler le projet professionnel et la remise en confiance de soi-même, recapitaliser de l'estime de soi, pas forcément parce qu'on est victime de violence, mais bien souvent si. Là c'est vraiment un premier sas, ce lieu, on rappelle, rue Sainte-Anne, oui. À Montluçon. Oui, rue Sainte-Anne à Montluçon, 6 rue Sainte-Anne à Montluçon, les jeudis de 10h à 16h, sans interruption, et voilà, il faut venir oser pousser la porte, et puis si c'est pas la bonne problématique pour nous, eh bien on réorientera bien évidemment vers nos partenaires, parce que c'est aussi ça la richesse du département de l'Allier, mais comme dans d'autres départements, je suppose, c'est que nous sommes en relation avec beaucoup de partenaires, et ça nous permet de créer un réseau qu'on essaie de mettre autour des dames qui viennent exprimer des choses vers nous. Il y a également des permanences juridiques, hein, vous le disiez, qui sont assurées. Oui. Tout à fait. Je suis pour ma part à Montluçon, 6 rue Sainte-Anne, tous les vendredis sur les mêmes horaires, 10h, 16h. Voilà, il faut savoir que ce lieu existe, qu'il a déménagé, donc il a un petit peu changé de fonctionnement. 6 rue Sainte-Anne, c'était important de le signaler ce matin. Et puis il y a cette journée internationale donc de demain, et il y a une conférence cet après-midi à la MJC de Montluçon. Le CIDFF est évidemment partie prenante. Conférence avec pour thème la perception du viol de l'Antiquité à nos jours. Expliquez-nous, il y aura également une action symbolique en suivant, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un événement qu'on organise ce soir, à la veille de ce 25 novembre. Nous refaisons venir une conférencière très intéressante, Brigitte Rochelandais, qui est spécialiste des mentalités et qui, il nous a paru important de travailler certains sujets par le prisme historique. Et effectivement, elle vient nous parler du viol à travers les temps, puisqu'effectivement, c'est de l'Antiquité à nos jours, et avec cette vision, effectivement, alors le viol, infraction, etc., mais l'évolution des mentalités, et là on verra peut-être que les mentalités ont peut-être peu évolué. Et cette conférence sera effectivement suivie d'une envolée de lanternes, puisqu'effectivement, à titre tout à fait symbolique, on tenait à honorer la mémoire des femmes victimes qui ne sont plus là, mais également donner espoir aux femmes victimes qui sont toujours là et qui cherchent effectivement des solutions pour sortir de cette violence. Et il y en a. Donc c'est plutôt le point positif, c'est qu'on peut prendre un envol, un nouvel envol, après avoir subi des violences et se reconstruire. Rendez-vous 18h à la MJC, Centre Social à Fontbouillant, ce soir pour cette conférence et ce petit moment voilà, de recueillement et puis symbolique. Et puis on rappelle ces permanences assurées, notamment le jeudi 6 rue Sainte-Anne, dans le nouveau local du CIDFF. CIDFF, dont vous retrouvez les coordonnées facilement. Il y a notamment une page Facebook qui vous permet de suivre l'actualité, d'avoir le numéro de téléphone. C'est important de le signaler en cette veille de journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 118 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints l'an passé en France. Merci Mireille Bernard d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée et venez nombreux ce soir. Au revoir. N'hésitez pas, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes référente sur cette question des violences au sein du couple au CIDFF. Nous, on va continuer le direct dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.